Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de Booster Tsum Tsum, les figurines, c'est la série 1. Donc j'avais déjà fait une ouverture si vous voulez voir sur ma chaîne. Et aujourd'hui j'ai commandé deux boosters de 9 figurines, dont une mystère, voilà. Donc nous avons 3 grandes, 3 moyennes et 3 petites. Je vais vous montrer de plus près le premier paquet. Alors nous avons Olaf ici, Dumbo et Tigrou en grand. En moyen, nous avons Gus dans Cendrillon, Stitch. Et en petite, nous avons Sébastien, Minnie et Goofy ou Dingo. Voilà, donc ça c'était la boîte. Je vous montre l'arrière. Et donc la mystère est cachée dans un petit sachet noir. Alors en grande, nous avons Elsa, nous avons Mickey et nous avons Perry. En moyenne, nous avons le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles. Nous avons Marie. Et en petite, nous avons Dale ou Tac, Figaro et Winnie the Pooh, Winnie l'ourson. Je vous montre l'arrière. Donc là, je vois déjà que j'ai des doubles. J'ai Mickey et Olaf, les grands, en double. Mais c'est pas grave parce que c'est au hasard. Et c'est pas grave si j'ai les en double parce qu'elles sont vraiment très belles. On va ouvrir le premier paquet. Waouh, trop mignon. Alors j'ai commencé par vous montrer les grandes. Donc nous avons Olaf ici. Bon, que j'ai déjà hein, par contre. Je vais vous montrer. Il n'y a pas de différence hein, a priori. Ce sont les mêmes. Voilà. Alors ensuite en grand nous avons Dumbo. Franchement il est trop mignon. Super bien fait, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis super content de l'avoir celui-là. Alors ensuite nous avons Tigrou. Que je n'ai pas non plus, qui est vraiment adorable. Allez, maintenant on va passer aux petites. Alors Sébastien qui est trop mignon. La finition est vraiment parfaite hein, dans ces figurines. Par rapport à celles qui sont sorties en France. Celles-ci ne sont pas sorties en France, je ne les ai pas vues. Et voilà, Sébastien, donc il est vraiment adorable et tout mignon. Ensuite, nous avons une petite mini. Elle est vraiment très mignonne hein, aussi, mini. Alors j'allais oublier le petit Dingo qui était sur le côté. Alors lui je l'ai en double aussi, malheureusement. Il est là. Voilà, j'avais eu la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave. On va le mettre là. Maintenant on va passer au moyen. Alors on va commencer par les deux qui ne sont pas cachés. Donc nous avons Gus, que j'adore hein, dans Cendrillon, la petite souris. Alors il est vraiment adorable, je pense que ça va être un de mes préférés d'ailleurs, avec son petit bonnet. Il est vraiment trop mignon. Alors ensuite nous avons un Stitch moyen, j'ai un Stitch grand qui est ici, regardez, donc ça va super bien ensemble. Donc après je ferai des petites pyramides pour vous montrer comment ça fait. Voilà, donc il est adorable ce petit Stitch. Et maintenant nous allons ouvrir le sachet mystère. Alors en touchant... Je ne sais pas trop. On va voir. Bon, en espérant que ça soit pas un double. C'est Perry. Voilà, Perry. Donc je ne l'ai pas, Perry. Donc ça tombe bien. Je l'ai en grand derrière, vous allez voir après. On va les mettre ensemble, ça va être super mignon. Voilà, donc sinon je peux vous montrer la liste de ces figurines. Voilà, voilà. Donc il y en a pas mal à collectionner, comme vous pouvez le voir, en 3 tailles en plus. Donc voilà, c'est assez long. Hein. Allez, on va passer maintenant au deuxième sachet. Allez, on va commencer par les grands. Alors, Elsa avec sa cape. Waouh, c'est trop beau. Ah ouais, franchement, là, c'est travaillé quand même, regardez. Elle est vraiment trop mignonne. On a les yeux bleus, un petit maquillage discret. Voilà, donc j'ai Elsa, donc c'est super avec Olaf. Alors ensuite, j'ai un Mickey, donc je l'ai déjà, celui-là. Donc pour comparer, bah, c'est la même chose. Hein, pas de différence. Ensuite, j'ai Perry. Non, je suis content parce que je l'ai en moyen. Voilà. Donc regardez ce que ça donne. Sympa. Hein. Ensuite, le lapin blanc dans Alice en moyen. Alors lui, je ne l'ai pas, donc je suis très content.
Ensuite, j'ai la petite Marie dans Les Aristochats. Waouh, elle est trop mignonne. Ça va être une de mes préférées, elle aussi. Je l'adore. Waouh, trop, trop mignonne. On va passer maintenant au petit. Tout petit, petit. Alors, on a Winnie l'ourson. Il est adorable, comme cela. Donc, je l'ai en moyen, Winnie l'ourson. Ça tombe bien. Ensuite, tac. Trop mignon. Et enfin, Figaro dans Pinocchio. Voilà. Et on va terminer par le sachet surprise. Tralala. En espérant que ce soit pas une double, je l'espère. Et... Oh, je crois que je l'ai pas en double, c'est porcinet, moyen, donc super. J'ai Winnie. J'ai Bourriquet dans Winnie l'ourson, en moyen. Bon, bah c'est super, hein, finalement. Alors, en double, bah j'en ai pas tant que ça, finalement. J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. J'ai trois doubles. Donc, voici toute ma collection. Voilà, donc j'ai essayé de les mettre comme je pouvais. Voilà ce que ça donne. Donc, ils sont vraiment trop mignons. Et franchement, un de mes préférés, moi, je dirais quand même le petit Gus, ici, qui est adorable. J'aime beaucoup Stitch et j'aime beaucoup Figaro ici et Marie. Voilà, j'aime beaucoup les chats comme ça et les petits porcinets aussi, trop mignon. Voilà, donc mettez en commentaire votre préféré parmi toute cette collection. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, Twitter et Instagram pour voir toutes les photos. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Tsum tsum, salut !